Bonjour, ma princesse. Cléo ? Quoi ? Ne me dis pas que tu as révisé toute la nuit. On dirait bien. T'es sûre de tenir le coup pour ton examen ? C'est celui de science. C'est une question de vie ou de mort. Je dois être prête. Tu m'as fait des aubrouillés ? J'ai pensé que c'était approprié pour commencer la journée. C'était censé être un petit déj au lit. Et alors ? Il est jamais trop tard. Tiens. Bon appétit. C'est de l'allemand. C'est pas de l'allemand, ça. Pendant la désintégration radioactive, les particules alpha se libèrent. Elles se composent de deux protons ou de deux neutrons. Ils sont libérés lors de la désintégration du noyau. Deux protons, deux neutrons. Ok. Bella ? Pourquoi tu m'appelles ? Tu devrais réviser. Quoi ? Comment ça t'es partie nager ? Je reste ici à essayer de comprendre les particules alpha et toi, tu vas nager. Génial. Ricky est avec toi. Écoute, franchement, vous feriez mieux de vous mettre à réviser. Et surtout, Ricky. J'en ai rien à faire que ça te détende. De toute façon, tu seras pas interrogé sur les palourdes, qu'est-ce que tu crois ? Bon, et soyez pas en retard pour notre dernière séance de révision, d'accord ? Salut. Cléo ! Hé, tu m'as pas entendu ? Oh, désolée. Je suis persuadée qu'on va être interrogé sur la signalisation moléculaire et la transduction du signal. Ah oui, ça c'est sûr. T'as déjà révisé ces deux points ? Oh, et le code génétique des acides aminés. Je suis persuadée qu'on aura au moins une question dessus. Tu l'as déjà révisé aussi ? Non, mais je vais le faire. L'examen n'est que dans 2 heures. Tu l'as toujours pas révisé ? Mais il y a plein de choses plus importantes. Oh. Tu sais que c'est la pleine lune. Salut. Salut. Vous êtes prête pour nos dernières révisions ? Oui. Moi, je pense qu'on ne devrait pas passer cet examen. Quoi ? Allô ? Oui. Oui, oui, je sais, Zane. Ce soir, c'est la pleine lune. Non, j'ai pas besoin de ton aide. Salut. Ricky. Rassure-moi, tu l'as révisé cet examen. Tu rigolais tout à l'heure, pas vrai ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. C'est Ricky ? Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Rien. Il faut que tu passes à autre chose. Ouais, t'as raison. Si tu veux, on pourrait sortir ensemble ce soir, non ? Ouais, pourquoi pas. Je me demande ce qui se passe à Mako. Quoi qu'il s'y passe, c'est forcément bizarre. Il y en a qui essaient de réviser ici. Tous ces trucs sur les molécules, c'est... Moi, je trouve ça super ennuyeux. Mais l'histoire de Mako, ça, c'est Ricky. Intéressant. L'histoire des sirènes aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Elles viennent d'où, les sirènes ? Ouais. Très bien, ça suffit. Est-ce qu'on est venu ici pour réviser ou pour passer le temps ? Cléo, tu crois vraiment que ça va nous servir à quelque chose ? Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Mon programme de la journée est planifié à la minute près. C'est vrai ? Oui. Il nous reste 2h20 de révision. Après, on doit y aller. On a 90 minutes d'examen, sans compter 15 minutes pour la relecture. Et je peux vous dire que rien ne doit me distraire de cet examen. Je veux être au top, c'est clair, compris ? Bien. Bon, si c'est comme ça. Ouais.
Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais cet examen pourrait influencer le reste de notre vie. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. La lune commencera à se lever à 15h40. C'est 5 minutes avant la fin de l'examen. Donc il faut qu'on ait quitté la salle 5 minutes avant. D'accord. Cléo, 5 minutes avant la fin? Ça veut dire qu'on a 5 minutes de moins que tous les autres? C'est bon, Cléo, t'as révisé? Non! J'ai tout calculé à la minute près. Ça fait des semaines que je me conditionne. C'est quoi le problème? C'est juste 5 minutes. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre numéro d'étudiant dans l'encadré prévu à cet effet. 85, pas 90. 85. Pas les téléphones portables doivent être éteints. Aucun appareil électronique n'est autorisé. 85. Et je ne veux pas vous entendre. Vous devez répondre au QCM avec un crayon à papier. Vous avez 15 minutes pour vous relire. Vous pouvez retourner vos sujets à partir de... maintenant. Je ne veux pas vous entendre. Quelqu'un a dû ouvrir l'arrosage. Je ne comprends pas, il n'y a personne dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? Chut. Continuez, je vais voir ce qui se passe. Regarde, là-bas aussi, ça fonctionne.
Vous vous en occupez? Oui, ne vous inquiétez pas. Très bien. Will, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Excusez-moi, mais la bonbonne fuyait. D'accord. Votre attention, tout le monde dehors. Et pour notre examen? L'examen est remis à une date ultérieure. Tout le monde sort maintenant. Laissez vos affaires ici et sortez dans le calme. Faites attention à l'eau en passant. On sort par derrière. Tu nous as dit que la pleine lune devait se lever à partir de 15h40. Est-ce que tu en es sûre? Oui, presque sûre. Enfin, je crois. Je vous l'avais dit, on n'aurait pas dû passer cet examen. Oui, je commence à penser que tu avais raison. Apparemment, le tentacule essayait de nous dire quelque chose. Comment on peut savoir? C'est simple. On va à Mako et on se laisse guider par lui. Quoi? C'est bon, Cléo. On doit lui faire confiance. On ne peut pas éviter tous les points d'eau en ville. Il faut lui faire confiance. D'accord. Faisons ce que tu dis. Ce sera plus agité quand la lune arrivera. Qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Oh, ça m'est égal. On peut aller dîner, on peut se faire un film. C'est une bonne occasion d'être ensemble, en dehors du travail. À quelle heure on se donne rendez-vous? Dès la fermeture du Rikis, ça te va? Est-ce que tu peux me remplacer? Il y a un truc que je dois faire avant. Ah, d'accord. Fais attention! Ça commence. Non, n'en rajoute pas. Je suis suffisamment nerveuse comme ça. Vous auriez pu m'appeler, j'étais mort d'inquiétude. Ah, je me suis dit que c'était pas une bonne idée si je t'appelais. Qu'est-ce que tu veux? Ricky est dans le coin? Non. Il faut que je la voie, c'est urgent. Je veux savoir si elle va bien. Je te l'ai dit, elle est pas là. Est-ce que tu sais où elle est? Ouais, tu le sais. Écoute, c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'entendre, mais... C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vraiment besoin de la trouver. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'elle en ait envie. Restez où vous êtes. C'est censé être... Thank you.
êtes prêts? Je suppose qu'elle n'aurait pas été assez stupide pour aller à Mako. Elles ne sont pas stupides. Ça, je le sais. Seulement, la dernière fois que Riki y est allée à la pleine lune, elle a présumé de ses forces. Alors, si elle y est, je veux le savoir. Très bien, je vais là-bas. Non, tu ne peux pas y aller. Bien sûr que si. Maintenant. C'est par là. Ça va, je connais. Riki ? Ça va, les filles ? Qu'est-ce que vous faites là ? On pensait que vous aviez besoin d'aide. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on en avait besoin? C'était un rayon lumineux, non? Ouais. Hein, c'est ça? Riki. Écoute, Zayn, tu dois nous laisser seuls maintenant. Comme vous voulez, je croyais bien faire. C'était une comète, pas vrai? Vous croyez que ça nous concernait? Tu parles de l'île? Pour moi, c'est ce qu'il voulait nous dire. Mais ça s'est produit ou ça va se produire? Peut-être qu'il nous a montré de quelle façon l'île de Mako s'est formée. Elle serait née il y a des millions d'années, c'était un cours d'histoire, notre histoire. Alors, l'île de Mako serait issue de cette comète? Ce n'est pas une hypothèse, c'est certain. L'île de Mako a une origine interplanétaire. Non, je ne crois pas. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus que ça. Mais les garçons ont tout interrompu. Je crois qu'on n'a pas tout vu. Mais pourquoi? Le tentacule voudrait nous montrer ça. T'es réveillée, Cléo? Presque. Tu ne révises pas? Papa, je peux pas réviser 24 heures sur 24, et j'en ai assez fait la nuit dernière. Mmh. Oui, je ne t'ai même pas entendu rentrer. Tiens. Merci, papa. Toutes nos excuses pour les problèmes d'arrosage automatique rencontrés hier. Nous cherchons encore les coupables. Mais là n'est pas la question pour l'instant. Bien, n'oubliez pas d'écrire votre nom et votre numéro d'étudiant dans l'encadré prévu à cet effet. Vous éteignez vos portables et les machines électroniques sont proscrites. Merci. Vous pouvez commencer à partir de maintenant.
facile que je l'imaginais. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai pas pu m'arrêter. Moi aussi. Même moi, j'ai peut-être réussi. Eh ben, vous avez l'air confiante. Pas toi? J'ai cartonné. Alors, est-ce que tu m'en veux encore pour hier soir? Je ne peux pas t'en vouloir, tu t'inquiétais pour nous. Les filles, à propos de la nuit dernière, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le tentacule voulait nous montrer d'où venait Mako. C'est pas évident. Ça soulève beaucoup de questions. Une chose est sûre, tu avais entièrement raison de nous dire que le tentacule n'est pas notre ennemi. On sera peut-être tranquille à la prochaine pleine lune.